法国塞纳河两岸的旧书摊是巴黎一道非常独特的风景线，在当地已经有超过400年的历史，也是游客到巴黎深度旅游的必经之地。然而，由于这些书摊处在明年奥运会开幕仪式区域内，法国政府就以安全隐患为由下令他们暂时搬迁。这项决定不只是引起了摊主强烈反弹，就连游客也认为法国此举犹如将埃菲尔铁塔从巴黎移除，让这座浪漫之都黯然失色。去过法国巴黎的人肯定会注意到塞纳河沿岸上成排的绿色铁箱子，这是当地非常著名的旧书摊。据说这里已经有450多年的历史，从几百年前书商在河边以小小的箱子售卖旧书籍，到现在变成一个个充满怀旧情怀的绿色书摊，见证了巴黎多年来的历史演变，也是彰显当地风土人情的一个重要地标。然而这里却因为要在明年让路巴黎奥运开幕仪式，必须要暂时转移到其他地方营业，引起书商纷纷强烈反弹，狠批政府此举犹如将埃菲尔铁塔从巴黎移除，破坏这个标志风景线。On est un symbole majeur de Paris. Les touristes viennent nous voir comme ils viennent voir la Tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame. On va gommer, on va effacer, on va nier ce symbole majeur qui est présent depuis 450 ans à Paris. On va surtout pas le montrer, on va le cacher pendant toute la cérémonie qui est une cérémonie qui est censée valoriser Paris, faire connaître Paris, le représenter. Et on va effacer. C'est un peu comme si on démontait la Tour Eiffel parce qu'elle dépasse en hauteur, elle rentre pas dans le cadre. On va démonter la Tour Eiffel pendant la durée des Jeux Olympiques.明年7月26号，巴黎奥运的开幕仪式将在塞纳河举行。到时候，这里预计会有60万人参与其盛，来自世界各地的运动员也会乘船在塞纳河上航行，为奥运会拉开帷幕。当地政府认为，这些旧书摊位于受保护范围，因此出于安全考量，要求拆迁书摊。不过，市政府也给出了一个折中方案，将书摊安置在附近同样临近塞纳河的书商村，也答应会赔。偿拆迁损失，但书商并不买单，因为搬离到别的地方营业，不仅让生意大受影响，要移动这些历史悠久的老书摊更是一大难题。Regardez l'état de ces boîtes, c'est une boîte qui a au moins une centaine d'années. Le fait de les bouger et de les déplacer, nos boîtes ne supporteraient pas cette opération-là, ni le moral des bouquinistes.游客也不认为这是明智之举，因为来到巴黎就是要逛旧书摊，体验这里的人文风俗。I actually don't think it's a good decision. I don't know why they would be doing this because it's part of the Paris experience, right? You come to Paris, you want to experience what Paris is, and this is, you know, so typical. So I don't even see why they would do it. Il y a des raisons de sécurité. On met les bouquinistes, on met tellement de choses, de décisions sous des raisons de sécurité qui sont des fois pas très fondées, à mon avis. Je trouve ça regrettable.至于当地人则认为奥运会只是暂时的活动，但这些书摊已经长久在这里营业，一旦在搬移过程中出现差池，就会毁了整个摊位，而政府所谓的安全理由根本就是毫无根据的借口。